Bonjour fidèle de la radio. Bonjour Marcel. Bonjour Dani. Alors, vous êtes dans votre émission 3x5 sur Salaz FM et nous sommes le dimanche 11 décembre, troisième dimanche de l'Avent. Et j'espère de tout cœur que vous êtes en forme pour recevoir la parole. Et Marcel, toujours dans la bonne humeur, n'est-ce pas ? Oui, dans la bonne humeur, surtout dans la joie, une joie immense, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche aux couleurs roses de la fête du Gaudete. Gaudete, c'est réjouissez-vous. Voilà, tous les troisièmes dimanches de l'Avent, c'est comme ça. Alors, laissons résonner en nous cette parole, la parole de Jésus. Et voici le temps de l'espérance. Mais en attendant, écoutons un chant à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Voilà le chant à l'Esprit Saint que nous propose aujourd'hui Dani avec sa voix profonde, sa voix qui nous porte vers la prière. Et nous allons retrouver la première lecture, ce passage du livre d'Isaïe qui nous est proposé pour cette liturgie d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent,
Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Bon dimanche à vous. Dans ce passage, le prophète Isaïe est chargé de proclamer la miséricorde de Dieu et le salut qu'il apporte à son peuple. Et la terre promise tant attendue est pour bientôt. Bien que le chemin aride et dangereux du désert sera aplani pour eux et le retour sera triomphal pour tous les peuples du monde. Les merveilles seront si évidentes que tous découvriront le Dieu unique. Eh bien, on y est dans ce temps de l'espérance, dans ce passage d'Isaïe, où exultons et crions de joie, car le désert et la terre de la soif, comme nous dit le texte, ce pays aride fleurira comme la rose et toutes sortes de fleurs des champs. Alors, ces mots résonnent dans mes oreilles, je ne sais pas pour vous, mais ça résonne et c'est comme une sirène de chant d'espoir, hein, d'espoir, que cet espoir d'un jour nouveau qui changera totalement notre quotidien. C'est cela. Et peut-être que parmi vous, actuellement, vous vous trouvez dans ce désert, sur cette terre aride, et vous êtes assoiffé, ne trouvant personne pour discuter, pour en parler. Hein, vous trouvez égaré et vous avez besoin de trouver quelqu'un pour vous appuyer, pour avancer, car vous n'en pouvez plus et vous avez soif, vous avez faim, vous avez plus de force. Eh bien, je vous dirai, comme le dit dans le texte, bientôt on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Alors pour vous qui êtes dans ce désert, soyez forts, prenez courage, ne vous découragez pas. Accrochez-vous à l'essentiel, à cette espérance en notre Dieu d'amour qui est là pour nous. Et le psaume de ce jour le dit, le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Alors, concrètement, ce psaume nous dit, Seigneur, il est là pour nous. C'est à nous de prendre patience. Et nous verrons que, au fur et à mesure du temps, les fruits précieux de la terre que nous aurons cultivée avec patience porteront des bons fruits. Alors les amis, armez-vous de patience, comme cet athlète qui court pendant 31 heures temps et qui a une endurance, c'est vraiment tenir le cap, tenir lentement pour y arriver à la ligne d'arrivée. Donc,
Vous voyez, les amis, c'est comme cela qu'il nous faut prendre patience et persévérer, persévérer. Car vous savez, les amis, le Messie, c'est bien Jésus et il vient pour prendre soin d'une humanité blessée, humiliée, fatiguée de marcher sur des chemins sans lumière. Alors Seigneur, enseigne-nous à voir les œuvres de ta création comme des lieux de révélation. Là où il y a la guérison, aide-nous à te voir comme guérisseur. Là où il y a réconciliation, aide-nous à te voir comme réconciliateur. Seigneur, enseigne-nous à reconnaître ta présence dans le monde. Là où il y a la paix, fortifie celle qui vient de toi. Là où il y a la joie, transforme notre joie en la tienne. Prends nos mains pour soigner les blessures de la vie, nos yeux pour montrer ta tendresse, et notre cœur pour manifester ton amour. Fais de nous ta présence vivante au cœur du monde. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Dites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Merci à tous pour votre écoute. Sainte journée. Au revoir. Au revoir Marcel. Au revoir les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci de ta présence encore une fois, Dani. Merci de, pour ce beau partage. Et nous allons nous retrouver l'évangile de ce jour avec un passage écrit que vous pouvez retrouver dans le livre de Saint Matthieu. Bonjour à toutes. Bienvenue à ceux qui écoutent l'évangile en créole, soit sur Radio Salas FM de l'émission 3x5, ou bien par Facebook, ou sinon encore sur Radio Arc-en-Ciel. Et bonjour aussi à toute l'équipe de Jésus mon guide. J'espère que vous allez bien. Nous les ordi le dimanche 11 décembre 2022. Nous les le troisième dimanche de l'Avent, année A. Nous fêtons les Daniels. Et si vous êtes l'aîné, 11 décembre, bon anniversaire à Zot. Zordi, mais pour Zot, l'évangile de Jésus-Christ, comment c'est Matthieu raconte à nous, chapitre 11, versets 2 à 11. Dans ce temps-là, Jean-Baptiste dans sa prison a entendu que Jésus était fait dehors. Il envoie son disciple pour demander à lui. C'est lui qui vient ou bien il faut nous attendre un autre? Jésus répond maintenant. Allez, dit Jean, c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'il voit. Ce qu'il ne voit pas clair, il voit. Ce qu'il ne mange pas, il marche. C'est dans la lèpre. Les guéris, le bon sourd y entend, le bon mort y enlève, le bon pauvre y gagne bonne nouvelle. Heureux, cette pesade n'est pas un moyen pour être tombé. Tandis que bon disciple de Jean Terosava, Jésus le dit que la foule dit Jean.
Que ça, c'est de la vie d'un désert. Et un zèbre qui bouge avec le vent. Alors, que ça, c'est de la vie. Un monde est bien habillé. Mais cette porte bonne linge comme ça, ils vivent dans le palais avec bon droit. Alors, que ça, c'est la partie voir. Un prophète? Oui, Mizazot, plus qu'un prophète. C'est de lui que tu es écrit. Me l'a envoyé mon messager avant où pour ouvrir ce main devant où. Amen, Mizaou. Parmi toutes celles nées à partir de madame, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Esther, le plus petit d'un royaume bondier, c'est lui plus grand. Parole bondier. Bon dimanche, Azot, tu m'en trouves? Mamaï, celle-là. Quand il parle à nous de Jean-Baptiste, ben, noir, un personnage exceptionnel, comme Jésus vient de dire dans l'évangile là. Mais généralement, dès que nous parlons de l'île, hein, ben, nous avons en premier lieu le vêtement de poil, hein, poil de chameau, je suppose. Nous voit que l'île est maigre parce que l'île nourrit rien que miel sauvage. Et puis, c'est que nous voyons aussi ben, Jean le Baptiste, nous voyons son fonction, c'est de baptiser dans le Jourdain. Et là, du coup, ben, un peu comme nous regardons le monde, nous reste à ce que nous voyons de l'extérieur. Mais là, il faut aller plus loin et regarder à quoi il croit et comment il croit son foi, sa foi profonde. Que ça, il fait pousser à lui à vivre ainsi dans la restriction alimentaire, dans le jeûne, hein? À vivre dans le désert et à vivre dans la prière pour que les âmes les sauvent. Et que ça, il pousse Ali, justement, quelle est sa foi qui pousse Ali à crier dans le désert, préparer les chemins du Seigneur et à dire tout ce qu'il a dit pour préparer la venue de Jésus, son action missionnaire, et dire convertissez-vous, croyez à l'évangile, convertissez de cœur. Et Ali, peut-être, franchement, il n'y a pas avec ça, mais que ça, il pousse Ali. Et des fois, on connaît les métalliers en danger, et les métalliers tellement en danger que les blâment la vie conjugale de Philippe, les métalliers à dos les bonnes pharisiens, et là aujourd'hui, il est en prison. Donc, il veut dire que malgré les menaces, les menaces qu'il pèse, il dit, il a fait son mission. Il a fait son mission, même s'il a parti, disons, il a des pratiques esséniennes. Esséniennes, c'était une communauté dans le désert. Mais que ça il force à l'île de l'intérieur. Que ça nous connaît là-dessus. Que ça, est-ce que nous peut transposer sa force, la force de Jean le Baptiste, cette force, cette fougue, cette rage, cette envie de crier, le Seigneur est là. Et comme nous aussi, peut-être, nous les mieux placés parce que nous connaissons que le Seigneur, le Christ, les morts, il est ressuscité. Mais lui, à l'époque, il ne connaît pas ça. Lui. Mais n'empêche, il avait cette grande foi. Et à l'époque, nous voyons vraiment qu'il était vraiment un grand croyant. Et pourtant, au fond de son prison, derrière les barreaux, il est envahi de doutes. Et il a besoin, comme à nous, hein, il a besoin vraiment connaître la vérité, il a besoin de confirmation. Mais son foi, il reste la même. Hein, calcule pas le fait qu'il a des doutes. Crois pas qu'un monde a des doutes, veut dire qu'il ne croit plus. Au contraire, des fois, là, comme disait le père Payette, moi j'ai des tentations. Hein, j'ai des tentations et heureusement que j'ai des tentations. Et les tentations dans le doute, les nécessaires pour la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de trouver des réponses aux questions vraiment intérieures. C'est l'occasion de dire à Dieu, notre foi, notre confiance, quelle situation nous n'a, hein, par exemple, on est dans une situation où ça, le travail est compliqué, mais on tenir ensemble, on est dans une situation où ça, où mari commence à fatiguer, on a envie de cogner d'ici, parce que... Il boit tellement, il rentre sous, mais seulement où tient bon ensemble, où affronte Ali, où dit Ali, mais où mettez un ultimatum, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, où boit, ma fin de arrête de boire, mi-foule camp, où ça va, sans
ça envoie cette force, cette conviction que t'es ou fait tout en fin de compte, ou fait tout pour sauver les meubles, comme il dit, et même avec les enfants, même avec la graisse qu'on a sur l'abdomen. Vous dites, ah, mais laisse-moi aller. Mais non, force tout, mets tout en œuvre, redonne un vélo d'appartement, bois de l'eau, arrête matière grasse, voilà, mange salade, même si vous avez faim, on a la dalle, fais un jeûne thérapeutique, vous va voir. Et ça, et la foi de Jean-Baptiste, elle est comme ça, elle est dans le fond, mais il a cette foi-là. Parce que malgré son situation de prisonnier, voilà, il tient bon ensemble. Et ça, c'est un exemple pour nous. Des fois, nous, les prisonniers, des fois, nous, la faim, des fois, nous, comme ça, et nous ne croient plus. On dit, ah, mais ça a plus la messe, mais ça a plus l'église. Et nous, va trouver toujours n'importe quel petit détail. Il fatigue à nous. Soit dans l'église, il fait trop chaud, soit la sonnerie est trop fort, soit l'animateur ne vient pas chanter, soit le père cause trop dans son homélie, soit il sent le dernier chien dans l'église, soit il n'aime pas une madame tout le temps mettre chapeau, soit une madame qui donne la communion, il ne plaît pas elle, soit il a vu une personne divorcée, il met fleur dans l'église et ça, il ne plaît pas elle. Donc, il va trouver toujours une façon, hein, pour se détourner de Dieu, de l'église, quoi, des traditions que la impose à elle, cette personne-là. Elle dit, ah, longtemps, t'étais pas comme ça, longtemps, t'avais point la batterie dans l'église, donc il ne vient plus la messe. Voilà. Et ces doutes-là, ces situations, en posant la question directement au Seigneur, ça illumine à nous ça. La vérité de notre vie nous repose à nous cette question encore, après les bons exemples qu'il vient de dire à nous là. C'est quoi la fondamentalité, il dit ça? Le fondement, fondamentalité, c'est quoi bien? Dani, qu'est-ce que tu dis? Voilà, le fondement de notre foi, est-ce qu'il est vraiment solide comme sur le roc ou bien c'est juste une espèce d'illusion, illusion béate, mais peut dire, la bouche ouverte. Ah, Pierre l'a dit comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Pierre l'a dit comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais est-ce qu'il correspond à où? Est-ce qu'il correspond à la foi? Est-ce que, voilà, vous voulez illuminer, des fois, on connaît, les gens les illuminer quand on a de la nouveauté. Qu'on a notre animateur, il arrive, ah, t'es, il chante bien, ah, t'es, ah, là, oui, m'invite à aller la case, m'y fait des paniers fraîcheurs pour lui, m'y grotte des kilos saucisses, kilos, il n'empêche pas. Ouais, il fait un tas d'affaires pour cette personne-là, mais le petit gars, que depuis 30 ans, il est là, il grouille, il essaye de, voilà, il fait de son mieux, et il ne fait pas un compte avec lui. Bon, ça, c'était un parenthèse. Donc, il résume la foi. La foi, c'est un chemin vers Dieu. Et ce chemin-là, vers Dieu-là, sans cesse, il remet à nous en question, il éprouve à nous comme on éprouve l'or, il chauffe à nous, il transforme à nous, c'est parce que la vraie foi, là, c'est un chemin. Ce n'est pas une destination. La destination sera après, mais là, les chemins. Et donc, Jean, il pose à lui des questions et il interroge Jésus. Et Jésus, sa réponse, c'est regarde ce qui se passe. Regarde plus loin que où? Regarde plus loin que ton nombril. Les aveugles, ils voient. Les boiteux, ils marchent. Etc. etc. Et Jean n'a sa réponse. Voilà, il y a posé des questions. Peut-être là, pas répondre directement, oui, c'est moi. Des fois, ouais, on reconnaît l'arbre au fruit. Jésus nous dit, moi-même ça. Comme Moïse. Moïse, il a été envoyé par Dieu. Qui sait, il est, comment on appelle? Quelle preuve il a pour mener? Voilà, aujourd'hui, nous avons la preuve que vraiment, avec c'est des signes extérieurs, les aveugles, ils voient les boiteux, ils marchent. Hein. Mais quelquefois, on a des signes intérieurs que vous ne pouvez pas déceler. Le personne même ne voit pas. Il est nimbé d'une lumière intérieure. Et cette réponse de Jésus, là, n'a une grande importance pour nous-mêmes. Parce que des fois, nous les plonger dans des doutes, dans des questionnements par rapport à des situations qui font mal à nous, des situations où nous pensons, nous guimpions en sorte à nous, nous les prisonniers, nous les condamnés, nous les, comme qui dirait, dans les prisons de nos désespérances. Et quand nous les dans cette situation-là, chers amis, ce que m'y propose à nous-là, c'est de détourner notre regard de notre nombril. Aïe, 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 m'a pas acheté un paire de chaussures. T'es, la voile à moins ça. Le soulier est trop petit.
Mais la demande du 35, et normalement c'est écrit 35, même dessus, mais serre-moi. Elle nous veut retourner au magasin, engueuler, ça dit un autre mot, engueuler la petite stagiaire, elle était là. Mais en allant vers le magasin, nous voit des gens pouffer la manche, et à côté de cette, des personnes qui veulent la manche, nous voit une jeune femme. Ben, il est bizarre, il a pas le pied. Cette personne n'a point le pied. Il a pour, voilà, il est bien habillé, il a point le pied, il est à côté de pays, il a point les pour danser. Des fois, on connaît, il danse dessus Facebook, il monte là. Ben, est-ce que ou ça est énervé pour une chaussure qui est trop serrée pour ou ça engueule la personne, ou arrive là-bas, ou change, hein? On dit, madame, est-ce que je peux avoir une chaussure? La femme, elle a pris une chaussure là. Mais tu crois que tu es bon pour moi, mais finalement, elle n'est pas bon pour moi. Donc, on n'a pas besoin, c'est énervé. Voilà. Et quand nous détournons notre regard de notre propre nombril, quand nous regardons l'action de Dieu autour de nous, ou bien l'action de Dieu qui fait pour nous, pète, nous te mettons encore plein, nous gagnons acheter bouteille de gaz ce mois-ci, nous gagnons acheter quand même un kilo d'orange pour maman pour nous faire un jus pour Noël, nous gagnons acheter une petite bouteille de coca en promotion, mais regarde comment nous sommes heureux, regarde comment Dieu lui fait des petites touches dans notre vie. Nous n'est pas malades. Et voilà, notre maman, notre papa, elle est encore là. Nos enfants ne bataillent pas. Et là, quand nous regardons tout ça, l'action de Dieu autour de nous, eh bien là, nous trouvons la force de garder notre confiance en Dieu. Et par la même chose, de garder cette confiance pour continuer le chemin avec lui. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que sa grâce, comme il dit dans la première lecture, sa grâce, il refleurit en vrai dans notre cœur, dans notre vie. Et pour que cette grâce y grandit là, il y a un mot important, deux mots peut-être plusieurs mots, mais aujourd'hui plus particulièrement, c'est se réjouir, être dans la joie par rapport les petits gâteaux, les petites miettes, les petites graines, les petites semences que Dieu y donne à nous. Être dans la joie, c'est quoi? C'est avec un cœur sincère, dire merci, merci Seigneur, merci, merci pour tout ça. Merci pour le petit fleur, il pousse dans mon jardin. Merci pour... Parce que dans ma cuisine, il n'y a pas trop de famille. Par omission, tu vois. Merci, merci pour tout ça. Merci, télé, il marche encore. Merci, de l'eau, il coupe. Mais mal attendu dans la radio que de l'eau, il s'est coupé. Donc, je vais mettre 2-3 bouteilles plastiques de côté. Je la remplis tout à l'heure là. Merci Seigneur pour ça, parce que si je ne t'entends pas, ben, je m'aurais été un peu embêté là en ce moment. Et dire merci au Seigneur, écoute pas grand monde, hein, écoute pas grand monde, tant que tu ne dis pas merci, sinon gagne plus, au contraire. Imagine, on est à 15 euros, 5, 3 billets de 5. Il y en a 3 petits mamans, ils viennent côté où? Tonton, tati, je t'aime. Et ben, il connaît, ben, Noël pas loin. Et là, on donne chacun un billet de 5 euros. Alors, t'es ma gagne billet 5 euros. Moi, t'es ça dit mon maman, ma gagne billet 5 euros. Oh, t'es, mina billet 5 euros. Là, mais ça va à la station service. Et l'autre dernier personne, t'es un billet 5 euros. Et il court comme banana. Mais à un moment donné, il arrête. Il revient sur son pas. Il dit merci, merci, merci encore. Merci de tout mon cœur. Merci, merci, merci. Et il dit ça va. Après, il regarde encore derrière. Il tourne son dos, il redit merci. Et les deux autres, ils finissent courir là. Alors, la prochaine fois qu'on aura un billet de 10 euros, on n'a rien qu'un seul billet. Quand les trois, et on a envie de donner, et quand les trois enfants seront devant vous là, qui sont ça donné? En discrétion, bien sûr, pour ne pas faire de jaloux. Mais on va donner la personne que l'a dit au merci. Chers amis, puissons-nous savoir, en ce temps de l'Avent, être attentif et observer, bien regarder les grâces que Dieu y fait autour de nous. Pour que nous, ne perdons pas la foi ni en Dieu et ne perdons pas la foi ni en l'homme que nous décourage pas. Alors, mes invités aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier de nos jours et même jusqu'au jour d'après, ben, d'apprécier chaque instant, et comme Gigi, il fait rappel à moi dans mon oreille, dans mon tête. Rien n'est grave, tout est grâce.
Tout est grâce. Nous fait à nous un temps de grâce aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et toutes les grâces-là que nous regardent devant nous, même s'il ne plaît pas les autres. Les cieux, à un moment donné, ne plaira pas les autres. Les autres va donner à eux des causements pour décourager à eux, pour dire c'est qu'on fait là, pas bon, fait comme ça. Mais les autres, là, on connaît, c'est comme des critiques l'église, hein. Les autres, ils autres font de pantalons, les autres font de robes dessus les bancs, hein. Les autres, ils bougent pas plus que ça, les autres, elle est pas bon comme elle est fait. Maman, elle a la majorité, hein, qui a pas choisi un autre. Il a fait une petite couvain. Ah non, mais il n'y a pas mis la grippe. Ah, comme par hasard, on a la grippe. Mais pour mal pas les autres, là, pour la grippe. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, regarde toutes les grâces autour de nous. Les grâces que nous a dans notre vie depuis nous l'aîné jusqu'à aujourd'hui. Les grâces qu'il a donné des personnes parmi nous, parmi nos enfants, les personnes qu'on a rencontrées. Même si nous ne l'avons plus avec, même si nous l'avons fâché, même si nous l'avons quitté, même si nous l'avons bataillé, mais à un moment donné, il a eu un bonheur. Ne serait-ce que demi-seconde de bonheur, et à nous fixer nous sur cette demi-seconde de bonheur. Le demi-seconde de bonheur que nous n'avons dans nos têtes par une nostalgie, ben sera transformé en un incendie de bonheur pour notre avenir, pour ce que nous aspirons. Parce qu'on a des choses, chers amis, mais parle dans, surtout dans les relations, on a des choses. Nous veut vivre encore, hein, assez à certain âge, hein, mais on a beaucoup plus de choses que nous veut plus vivre. Et cette nous veut plus vivre là, nous mettre de côté, ça que là pas bon, on nous masse droite avec notre conscience droite. Mais par contre, c'est que nous l'a bien vécu là, ben nous veut revivre ça d'une façon décuplée. Et voilà, c'est pour ça, mais souhaite à nous de dire à nous merci, merci. Merci comme ça, sans explication. Et à la réunion, la nette tendance, hein, quand on dit merci, un monde dit merci pourquoi, hein? Merci pourquoi là? Dis pas merci, non, dis merci. Prends comme il veut. Allez, merci à toutes, justement. Nous retrouvons. Merci Sheila, merci Dani, merci de Fabrice. Voilà, ben merci Cathy, merci Madame Hermina, merci Cassie, merci Dani, aussi l'autre Dani, hein, Monsieur Dani. Merci toute l'équipe de Salaz FM et merci Mazam aussi pour la transmission de l'autre côté là-bas. Et nous retrouvons, le 18 peut-être, hein. Ça se dit 18 pour un nouveau chemin vers l'avant avec Marie plus en forme. Hein. Allez, nous retrouvons. Bye bye. C'était Marcel et Dani dans votre émission 3x5 sur Salaz FM.